Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La fin heureuse. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre ce qui disent notre Seigneur et Allah, et qui soutiennent dans le droit chemin les anges de son de heureux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, le mois béni de Ramadan est sur le point de nous quitter après on y a voir goûter le douceur de l'obéissance et le plaisir d'invocation et ainsi pérer l'esprit de solidarité et d'entre clémence. C'est la tradition d'Allah. Gloire à lui. Le temps passe et se coule. Il y a quelques jours, on se félicitait les autres pour l'arrivée de Ramadan. Et voici, on fait adieu à ce jour et nuit bénie. La vie n'est que ce soupir déterminé et des termes fixés. Allah, gloire à lui, dit, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit ou au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Faisons adieu au mois de Ramadan béni, il faut apercevoir l'importance des conclusions d'œuvre. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Les œuvres se comptent en fonction de conclusions. Cela nous exige d'évoquer, réciter le Coran, implorer et faire des aumônes dans les jours qui restent de ce mois béni, dans l'espérance d'obtenir la grâce d'Allah et d'être au nombre de ce qu'il affranchira de l'enfer. Allah, gloire à lui, dit, il s'arrache de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Il dit également, et tous ceux qui vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement, et vous ne serez pas lésés. Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah l'agrée, écrivait au contraire de terminer le mois de Ramadan avec l'imploration de pardon et l'aumône. Al-Hassan al-Basri dit, multipliez l'imploration de pardon, vous ne savez pas quand descendra la miséricorde. Cet appel à accorder l'attention au fait de bien terminer le Ramadan invite la raison à bien œuvreur pour bien terminer la vie. Allah, gloire à lui, dit, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission, et ne mourrez qu'en pleine soumission. La fin heureuse est l'ambition et l'ambition du prophète vertueux, allié et connaisseur. D'après Youssouf, salut sur lui, Allah, gloire à lui, dit, fais-moi mourir en soumis et rattache-moi aux vertueux. Le prophète ne cessait d'invoquer au celui qui détourne les cœurs, stabilise mon cœur à ta religion. Il faut affirmer la fin heureuse n'est restreinte à personne. L'homme n'est point tuteur sur les autres. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, dit, ne jugez pas que
le monothéiste, obéissant seront certes au paradis, ni que les monothéistes pécheurs seront dans l'enfer jusqu'à ce qu'Allah tranche entre eux. La fin heureuse est dans l'omniscience d'Allah qui pourrait accorder aux pécheurs un repentir sincère avant la mort ou l'oriente vers une œuvre pie avec laquelle il termine sa vie. L'homme ne sait pas par quelle œuvre elle recevra la miséricorde d'Allah, ni par quel péché il sera puni, ni quand mourra-t-il, ni en montant quelle œuvre. Le prophète dit, si Allah, gloire à lui, veut le bien à un serviteur, il l'embellit en un tirouge. Ce quoi l'embellir, le prophète de répondre, il l'oriente vers une œuvre, puis il répand ainsi son âme. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. Œuvrer pour attendre la fin heureuse n'est pas restreinte à la prière, au jeûne, à veiller culturellement la nuit. Il faut continuer à mener toute œuvre utile du bien et bonté dont le fruit est destiné à la société entière. Le prophète dit, les gens les plus aimés au prix d'Allah sont les plus utiles aux hommes. La meilleure œuvre auprès d'Allah est une joie que tu apportes à un musulman, lui dissipant un malheur, lui remboursant une dette ou lui chassant une faim. Cela, l'une des causes de la faim heureuse. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, les œuvres pies empêchent les mortes néfastes, les malheurs et calamités. L'observation du lien de parenté accroît la longueur de la vie. Toute œuvre convenable est une charité. Les gens de convenance dont les sipas sont les mêmes dont le dit là. Il dit, le monde éteint la colère du Seigneur et repousse la mort néfaste. Quiconque se charge d'un orphelin au cours du Ramadan doit continuer à le faire au Dula. Il doit l'aide jusqu'à attendre la majorité et d'être capable à gérer ses affaires. Qui nourrit les affamés, il doit le répandre après. Cela est parmi les bonnes œuvres en Ramadan. Qualifions les gens de paradis, Allah gloire à lui dit, et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à orphelins ou aux prisonniers, disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissions. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. La bonne œuvre est celle régulière. Minime soit-elle, le prophète dit, la meilleure œuvre auprès d'Allah est celle durable, minime soit-elle. Faisant partie de la fin heureuse, et le fait qu'Allah nous oriente à bien veiller la nuit de la fête et de dépenses en largeur aux pauvres, aux nécessiteux dans ces jours-ci. Et le jour de la fête. Et qu'Allah, ta fesse, réussir à continuer le pieux sens par jeûner ces jours de Shawwal, de nous rompre avec la veille culturelle de nuit, l'évocation, la récitation du Coran et les autres actes qu'il menait dans ce mois béni. Ô Allah, accorde-nous la fin heureuse et préserve notre Égypte et tous les pays du monde.